Bonjour amis auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, c'est Dani avec vous en ce jour, en ce mercredi 20 avril où nous fêtons les Odettes. Bonne fête à vous et également joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Et sans oublier les membres du groupe Jésus est mon guide, bonjour à vous tous les amis. Merci qui nous font partager tous les jours la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qu'on aime. On aime entendre, alors laissons-nous guider, laissons-nous vraiment envahir de l'Esprit Saint, qu'il vraiment pénètre notre être et vraiment nous prépare à écouter la parole de Dieu. Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir brûler. Quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque. On vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigeant. Te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent
et de l'or, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait, entrant avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui est était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, la belle porte, hein, vraiment très beau mot, on va dire, hein, pour cette porte où se trouvait cet infirme qui était là, planté, hein, demandant l'aumône pour qu'il puisse obtenir quelques petites pièces ou même de quoi manger. Il ne s'attendait pas à vraiment à obtenir autre chose que ça. Car vous savez, les amis, les infirmes, avant, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Ils étaient considérés comme des impurs par la loi juive. Ils étaient exclus du service du temple. Dans le livre Lévitique, vous pouvez lire dans ce passage que les infirmes corporels tels que les aveugles, les boiteux, les mutilés, ne pouvaient pas s'approcher de l'autel par rapport à son infirmité, ce serait profaner le sanctuaire de Dieu. Et on retrouve également dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, versets 6 à 8. Alors, les amis, désormais, il n'y a plus d'impurs ou d'exclus, non, c'est fini tout ça, oui. Plus exactement, la mission de l'Église était d'apporter à tous les hommes le salut. Le salut, mais au nom de qui? Au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Pour qu'il puisse prendre sa place dans le nouveau temple de Dieu. Alors quand Jean et Pierre vont fixer cet aveugle et qui lui dira: de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. C'est avec vraiment cette foi en Christ et le sens même, le sens du miracle, du signe qui vient d'être donné à tous ces gens venus prier au temple, c'est le nom de Jésus qui désigne le pouvoir, la puissance divine de Jésus. C'est elle qui a rendu la santé à cet homme sous les différents yeux du temple. Et de même, ce nom, ce pouvoir divin devient source de guérison et de vie pour tout homme qui croit en lui. Pierre se fait serviteur de Dieu, se fait serviteur du Christ. Et sur la promesse faite à Abraham et renouvelée à Moïse, Jésus est l'image de serviteur de tous, et qui apporte à tous les hommes le salut par ses souffrances et sa mort en prenant sur lui nos péchés. Alors, les amis, aujourd'hui, on a Jésus qui est là pour nous et qui s'est livré pour nous et nous. Que nous puissions, au fond de nous-mêmes, le vraiment, comme cet homme, nous mettre debout,
marcher, bondir, louer sans cesse Dieu, Dieu sauveur du monde. Alors les amis, avec Jésus, on ne reste plus à la porte hein, de l'église, on rentre, on va le chanter, le proclamer, le louer et dire que vraiment Jésus, tu nous as aimé le premier et moi je t'aime de tout mon cœur car tu t'es livré pour moi, tu as donné ta vie pour moi à la croix, tu as cloué mes péchés. Je t'aime Seigneur Jésus car tu as tout donné pour moi et aujourd'hui je voudrais te dire merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. On est grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son trêve, sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Pour la race d'Abraham, son serviteur. Les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. C'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Bon, les amis, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui, mais je reviens bientôt. Et j'étais très contente d'être avec vous ce matin. Merci à vous tous hein, pour votre écoute. À très très bientôt les amis. Bonne et sainte journée à vous tous. Je vous laisse avec Dieu admirable, incomparable. Oui les amis, Dieu admirable, Dieu incomparable. Dieu admirable, incomparable. Et oui, à très bientôt les amis. Tu transformes ma l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est